pour l'histoire et pour la postérité. Sénateur en fonction. En fonction, en plus. Avec un mandat régulier qui arrive à terme au deuxième lundi de janvier 2023. Et nous dit haut et fort pour que nos amis de l'exécutif le sachent. Sénat, ça a bien pour nous, un président encore. Quand encore. Même. Encore. Vous avez dit un président? Encore. Changer constitution ou pas changer constitution, nous avons un mandat régulier qu'est-ce et légitime. Qu'est-ce qui s'est passé pour la visite pour Karl, compte tenu du fait que je ne pouvais pas rencontrer le directeur général, j'ai choisi de ne pas non plus rencontrer Karl pour ne pas dire que visite, mais en son visite intéressée. Intéressée, oui. Mais par contre, je comptais de tout cœur aller supporter nos amis du SWAT. Et ce sont des jeunes, comme moi, solides, intellectuels aussi, comme moi, venant de l'arrière-pays, comme nous, et qui ont accepté de servir leur pays, et qui ont accepté de nous protéger, de nous servir. Et qui ont perdu, en fait, leur vie, laissé leur vie. Une opération qui mal tournée. Nous étions tenus à porter solidarité Mbayo. Mais aujourd'hui, il y a lieu de. Il y a même, je dirais même, une nécessité historique de supporter la PNH. Nous devons supporter de tout cœur, de toute âme nous, sous toute forme. Tout à fait. La PNH, parce que c'est l'une des institutions armées, je ne veux dire, que nous gagnons dans le pays. Et qui est là pour protéger nous toujours. Nous pas capables de cracher sous PNH. Toute institution a un problème. Si le pouvoir a un problème, c'est des problèmes qui ont venu en décrescendo. Problèmes qui ont descendu. Sous PNH, tant qu'on a dit qu'il descend dans l'autre institution encore. Peut-être qui ça? Parce que pour voir quand les yo, yo handicapé, yo exténué, ou bien yo essoufflé. Moi qui t'ai parlé de pour MPNH là parce que voilà ma coupe parler de constitution avant tout là. Même bon question dernière question parce qu'on connaît et faut nous tout poser aux questions. Moi même dévelé pas poser question qui a une valeur d'actualité seulement, mais une grande question vous voulez poser. Est-ce que maître mécène Jean-Louis, est-ce que M. Jean-Louis est votre président? Non. Et pourquoi pas? Il va qu'à président. Parce que pour M. président, il faut que je sois parti pour une autre dans toute une opération qui était conduit à nomination M. Bon. C'est maintenant un processus qui était conduit à désignation. Et à nomination mécène comme président, je ne pourrais en aucun cas dire et déclarer que mécène est mon président. Qu'est-ce qu'il est, alors? Il faut adresser cette question à ceux-là qu'il avait retenu, choisi, et lui porter à faire la déclaration en tant que président de transition. Avez-vous trahi votre ami Yuri La Tortue? Parce qu'il est également chef de cette situation-là. Votre ami Yuri La Tortue, André Michel... Vous êtes sénateur de la République et ils ont pris une initiative disant à partir du 7 février 2021, Jovenel n'est plus président. Ils ont installé un nouveau président. Donc, est-ce que vous n'avez pas discuté avec eux? Mon cher Mathieu, je me trahis désormais sous des bagages spécifiques. Des hommes comme André Michel, des hommes comme Yuri La Tortue, Beauplan, Kelly Sébastien et autres, etc., ils vont rester et demeurer mes amis. Ok. Mes amis. Il y a une initiative à prendre, je ne suis pas d'accord avec elle. Et comme de fait, je ne suis pas d'accord. Il y a des initiatives que je prends tout, je crois que c'est de bonnes initiatives. Parce que nous sommes en démocratie. En démocratie. Et nous sommes en démocratie. Et m'a dit un bagaille. Si nous sommes en démocratie, pas en dictature alors. Non, je dis bien. Le fait par le président de renvoyer deux tiers du Sénat de manière peu orthodoxe. Un semblant. D'handicaper le pouvoir judiciaire
peut-être à dessein, de se mettre dans une situation où je ne veux dire même le l'arrêter, on ne va même nous juger qu'à juger. Et par conséquent, la dit détention préventive prolongée, voilà que lui-même il crée les conditions de détention préventive prolongée. Est-ce que on va pas accepter Mécène, soit président par là, soit élection par arrivée faite, le 7 février 2022, pour qu'on comprenne, est-ce qu'on va pas accepter Mécène? 7 février 2022, c'est loin. Beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'eau. Bien pour couler sous pont. Abdou Magaï Gari. Pour clore le chapitre. Sous bien comprendre dans quelle situation que nous sommes. Ça veut dire que nous avons l'État qui a terre. Enfin, il a terre net. A terre net. Nous avons l'État qui a terre. Lorsqu'on a parlé de Youri. D'André Michel, de Beauplan, de moi-même, par exemple, qui c'est Zamio, Nenel Kassi et consort. Après, il était Zamio, je me dis ça clair, pour personne, je ne vais pas dire moi, et que faut me choisir Zamio, je ne vais pas me Zamio. Quel que soit mon nom. Et tant que le président Préval, on tient histoire, le président Martelly me conseille, li, et puis je vois un mandat par le président Préval, et puis je me dis réunion conseil président, et puis je me dis président. Le président Préval, je vais quitter le président. Il dit, oh, je n'ai à peine commencé à quitter, je dis oui, président. Je vais quitter où? Mais si je ne peux pas aller, j'ai un pressentiment, je vais tout démissionner. Parce que le président Préval est attendu au parquet du tribunal civil de Jacmel. Je dois être aux côtés du président Préval. Le président Matéli. Avec tout le monde dans ouvert green géo mais là j'ai comme quoi yo poko j'en ai une occasion dire un président ça ou même yo veut bien ça vous pensez moi même pas comme ça je suis un général comme je dis au président et Martelly et c'est pour ça que moi même m'a gotan de tout le monde gain problème avec président Martelly même gain ti estime pas m'bouli parce que le tolérant il accepte ou yon hier et que eh bien, je dis que moi, son général qui vient comme conseiller président avec trois étoiles sous épaules. Je ne veux dire du train où ça va après. Avec cette situation lamentable. Situation lamentable. Ça. Tout ça que nous avons là, que nous sommes obligés de faire face là, il y a un Dieu. Et son message pour tous nos amis, pour tous les Haïtiens, de quelque bord que vous êtes capable, à quelque fonction que vous êtes occupé, à quelque chapelle politique que vous êtes capable d'appartenir, je dois leur dire que Haïti a besoin de tout un chacun. Haïti est en agonie, Haïti est en difficulté, tout le monde a intérêt chita. Je suis bien content ou venu, bien content d'avoir discuté ou qui j'en m'aborder question avant. Ma quoi venu, val pral pral avant, m'en pose une dernière question. Est-ce que notre tête ou réfléchi aujourd'hui sur ça qui arrive? Est-ce qu'il y a une possibilité ou même pour une président de la République, que ce soit Jovenel tombé, que ce soit une crise terminée, que ce soit élection par une fête, que ce soit 7 février 2022, et qu'il y a un vide politique, est-ce qu'on pense un jour que ou même on a une président? Donc, si ce n'est pas ça, il y a peur longtemps, il y a fait cap par un président. Est-ce qu'on pas pense une possibilité pour une président? Quand il y a un pressentiment en guise de réponse, que personne ne va peur encore. Pourquoi? Parce que... Tout ça veut dire, ah, si l'ambert premier ministre, l'ambert après pouvoir d'abé Jovenel. Comme qu'on y a là, c'est 7 mois crité. Qui intérêt qu'on ait gagné, je ne veux dire, pour aller tirer un président pour 4 mois, pour 3 mois, ou bien pour 2 mois. Qui intérêt qu'on gagne tout, quand certains disent que n'est pas même président encore. Qui intérêt qu'on gagne, je ne veux dire, pour que, ou, comme t'es qu'a dit, ou déstabiliser le pays à davantage. Et je crois que l'idée pour le président, ma réponse, c'est dernier bagaille qui passe dans la tête moi-même. Je ne vais pas nourrir l'ambition président
de la République. Parce que ça m'est là, en d'un pays, c'est pour me poser un nègre sous président d'un pays demain matin. Est-ce qu'on pense la question sécuritaire, ou pour ton réponse balé. La question environnementale, côté n'importe si de l'eau tombe dans Port-au-Prince, on n'a pas qu'à passer Matissan. La question, si monde qui pas qu'à l'école, je ne veux dire, parce que chaque monde qui sorti, yo craint bio pas kidnapper yo. Yo craint bon même m'a dit mais il faut pas faire ça aux enfants aussi. Monsieur, l'avenir de ce pays réside sous qui ça? Sous formation ti moun que nous gagnons. Yo. Bon ti moun pas à l'école. Comment t'avons maman fait il faut mettre petite l'école dans matin. Et puis ça 10h 11h et pour dire à 1h tout le monde entrer parce que nous dehors. Et pour mettre tout le monde dans le courant pour chercher Timonio côté yo, ou pas qu'on a qui route pour faire, qui route pour pas faire, et autres, etc. Aujourd'hui, m'a dit trois bagailles pour l'histoire notée pour moi. Je suis un monsieur ouvert, conciliant, et je veux toujours et je veux continuer à prôner le juste équilibre. Chita ensemble, parler ensemble, joindre la formule consensuelle. Sous remet Haïti pour que nous tout dit mais ça qui t'a pis bon mais ça que nous ouais qui pas t'a pis bon pour pays ça c'est un. Deuxièmement aujourd'hui il n'est même pas question d'un simple accord politique pour résoudre un problème ponctuel cela ne va pas tenir je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Avoir un programme non seulement de sortie de crise, un programme de développement sur une période donnée, pourquoi pas 25 ans, tel que l'équipe de Toutouni l'a prôné. Je dis, quelle que soit l'opération qu'on fait là, pas bad bravo pour dire qu'on gagne. Même dans nos accords, je dis, nous considérons que son saupoudrage que nous avons fait. Parce que les problèmes haïtiens vont rester et demeurer. Demain, ou ap di que ou rive mette un gouvernement d'union nationale en place, ou rive fè un conseil électoral, ou retire deux trois moun nadan, ou mette deux trois l'autre et autres, etc., pour permettre que le prête serment, ou permettre que ou renforce l'équipe qui travaille sur amendement constitution, pour permettre que au moins nous gagnons en masse beaucoup plus importante, en éventail beaucoup plus importante de moun, pour permettre que au moins nous baillons une certaine légitimité. À ces institutions, oui, on en a besoin. Mais il faut aller au-delà de tout ça. On a besoin des élections, parce que moi, je suis pour les élections. Mais avec un conseil électoral ouvert, équilibré et assermenté. On a besoin d'une réforme de la Constitution. Ce n'est pas le fond qui m'intéresse, parce qu'on en a besoin. On a besoin de produire des changements pour rendre ce pays beaucoup plus fonctionnel. C'est la forme qui compte. Parce que nous pas capables de parler, je dis, de démocratie, ni directe, ni représentative encore. Il faut que nous parlions de démocratie représentative à travers les différents secteurs qui sont capables de moins impliquer dans la question. Pour faire de telle sorte que nous passions la première étape là. Et pour moi, quelle que soit l'étape que nous passions là, nous allons le dire et ma petite rire, c'est vers la stabilité. Son étape vers la stabilité. Mais ce n'est pas pour la stabilité. Bon, et c'est bon, moi-même, c'est dit tout le bagaille, mais moi-même, et par rapport à l'échange,